protocolaire pour se tenir debout et écouter l'intervention de la représentante des personnes handicapées du pays. Un moment pathétique de cette session consacrée à recueillir les avis des Guinéens sur la conduite de la transition. Monsieur le Président, je voudrais attirer votre attention une fois sur la difficulté que les personnes handicapées subissent de chaque jour. Je vais prendre juste un exemple. Nous sommes au troisième. Imaginez comment je suis arrivée ici. Grâce aux hommes militaires qui m'ont aidé, qui m'ont pris avec ma chaise. Et là, je me demande comment descendre. Rien n'est adapté. Monsieur le Président, je suis une femme, je suis handicapée. Notre droit compte. J'ai vraiment aimé cette valeur, le premier point, rectification institutionnelle. Monsieur le Président, oui, il faut qu'on adapte tout. Monsieur le Président, je plaide pour les personnes handicapées, le gouvernement qui sera mis en place, que les personnes handicapées soient vraiment prises en compte. Pensez-y, Monsieur le Président. Je vous remercie. Le président du CNRD a invité ses acteurs du mouvement citoyen guinéen à faire des propositions écrites sur la conduite de la transition.